Est-ce que c'était bizarre, tu sais, des personnes qui tombent en amour avec ton personnage, tu sais, des jeunes filles que finalement ils trippent puis tu dis. Ils devaient en avoir, ah ouais, bardasse-moi. Mais c'est clair, t'en avais. Compte-moi des menteries. Fais-moi croire des affaires, réalise-les pas. Mais non, mais ça, c'est weird. Tu fais comme, hey, t'es. Achète-moi un coat de 42 piastres, pis fais-moi sucer 900 queues pour te rembourser. C'est ça, les pimps, tu sais. C'est genre, ils achètent des cochonneries, là. Ça doit pas être genre des bracelets à 4900. Ils font de l'argent. C'est vrai, mais je pense pas qu'ils sont généreux. Ça dépend quel niveau. Excuse-moi, je voulais pas parler contre les pimps, là. Ça peut être du bon monde. Non, c'est du super bon monde. J'ai aucun problème avec eux autres. T'avais-tu des pimps qui disaient merci, esti? All right, that's it. moi, j'étais nerveux. Je me suis ramassé dans des places louches, des fois. Puis j'étais nerveux de voir ces gars-là parce que je me disais, il doit vraiment pas m'aimer, tu sais. Puis non, c'est ça, j'ai eu des yo, merci, man. Merci pour tout ce que t'as fait, man, pour la culture. Et j'étais là. Pour la culture. Ouais. Eux autres, ils pensaient que la série, c'était pour redorer leur image. Ben, il était comme, genre, d'être vu, je pense, d'être vu que cette réalité-là, elle existe. Puis moi, j'étais vraiment content parce que je me dis, les deux plus beaux commentaires que j'ai T'avais pas collissé une volée à une des filles dans le show? Ouais. Tu sais, qu'eux autres étaient comme merci de montrer ça. Et je sais pas, mais tu sais, déjà à la base, leur choix de vie, les gars, c'est. Je peux pas essayer de faire du sens avec ça. Fait qu'est-ce qu'ils me disent, je sais pas, mais les deux plus beaux commentaires que j'ai eus, c'est ça. C'est ces gars-là qui étaient comme man, t'étais vraiment dessus, là. C'est vraiment ça, là. On te croyait, nous autres. C'est comme si tu jouais un médecin et que les médecins sont comme je te croyais. T'es un bon acteur. Ben, moi, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur parce que j'avais jamais vraiment fait, tu sais. Ça, puis la police. Puis la police, ils m'ont dit, ils venaient sur le plateau, puis étaient comme, asti, genre, je t'étranglerais. C'est exactement ça, les gars avec qui on deal. Ah ouais? Exactement. Fait que moi, j'étais content. C'est comment, c'est sur qui? Ils disaient pas, je te mettrais en prison. Ils disaient, je t'étranglerais. Ils ont rien compris des dernières controverses, là. Hey, je t'aurais mis un genou dans le cou. Ah ouais.